Bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto X Boruto Ninja Trips, enfin pas sur le jeu, mais suite au live de Naruto et de Boruto de à la Jump Festa, on a eu quelques infos concernant la nouvelle unité qui va arriver, comme vous l'avez vu dans le titre et en miniature, c'est tout simplement Minato Namikaze. Donc, quand est-ce qu'il va arriver? Il va arriver, comme si je dis pas de bêtises, il reste 5, 4-5 jours. Quand est-ce qu'on a eu le dernier portail là récemment? Je sais qu'on l'a eu récemment, mais il arrive très prochainement, avant la fin de l'année. Et donc, voilà un peu. Je vous montre un peu, ça donne ça. Voilà un peu son artwork. Il est vraiment pas mal. Donc il a deux trips, Jiraiya basique et Naruto, je pense c'est le Naruto SR ou Naruto UR contre Pain. Et donc voilà un peu ce qu'on a pour le moment. Le perso est vraiment très intéressant parce que je pense que ça sera un type attaquant. Le dernier perso qu'on a eu c'était quoi? Si je ne dis pas de bêtises. On a eu un type attaquant. Ah oui, c'est Obito. Fallait s'y attendre. Hein. Donc on a eu Obito. Obito et Kakashi. Avec qui on pourrait avoir Minato? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va avoir un SR, mais je vais pas dire de bêtises, donc on va laisser le suspense. Mais voilà un peu à peu près ce qu'on va avoir. Le Tribbs avec son fils et le Tribbs avec son sensei et son fils. Son attaque spéciale toute seule, je pense que ça doit être une. C'est l'attaque. C'est l'animation qui a été utilisée pour Obito. Quand il s'était masqué, quand il avait invoqué Chobi. Sinon, là pour le moment, on n'a pas grand-chose. Ah oui, donc le perso, il arriverait le 12-21. Il va arriver le 12 21. Donc là, il va arriver dans deux jours, les gars. Les gars, j'espère que vous avez coffré. En plus de ça, il nous offre 3 500 Shinobi Coin. C'est gratuit, les gars. Vraiment, là, c'est gratuit. 3 500 Shinobi Coin, c'est gratuit. On prend. L'unité sera super intéressante. Je pense que c'est soit tech, soit tactical, soit type attaquant. Ça m'étonnerait qu'il soit de type tank vu ce qu'il a fait à Obito lors du fight. Même si dernièrement on a déjà eu un type attaquant. On a eu qui? On a eu Itachi. On a eu comment il s'appelle? Boruto Tech. Ouais, a priori ça fait 2-2-2. Donc là, on va terminer. Attends, on a eu. Ça fait 3. On a eu aussi Danzo de type Tech. Donc on a eu 3 types Tech à la suite avec Obito. Donc là, je pense qu'on va rester encore sur un type attaquant. Ça sera Minato avec. Comment elle s'appelle? La meuf de Obito là. Ah, j'ai oublié son nom. Donc, comment elle s'appelle? Rin, voilà, Rin. J'allais dire Rin, Rinen, mais non, Rin. Autant pour moi. Que dire de plus? En vrai, l'unité sera super bonne. Je pense qu'elle sera super bonne. Sans. Je pense vraiment ça sera une unité super intéressante à avoir, surtout avec les tribs, en sachant qu'il y en a qui vont sûrement tous les avoir. Donc on va sûrement avoir Rin et Minato, parce que je pense pas qu'ils vont faire seulement un portail UR. Ils ont jamais fait ça, c'est toujours UR plus accompagné d'un SR. Donc on verra Rin qui, je pense, sera de type défense, non, tactical. Ouais,
Elle sera de type tactical parce que ça fait très long, non, ça fait pas très longtemps, mais je la vois mal jouer défensive parce qu'elle a toujours été un support en fait de ce qu'on a vu. Pourquoi pas de ouais, type attaquant, non, ça m'étonnerait, ouais, non. Donc type attaque pour Minato et type tactical pour Rin, si c'est Rin. Pour le moment, on n'a pas d'informations sûres à 100%. De toute façon, ils vont nous dire ça dans les prochains jours. Nouveau portail, le 21, 3500 Shinobi Coin. Les gars, c'est le moment, c'est le moment. Si vous avez économisé aussi, tant mieux. Ça vous fera une multi et demi supplémentaire. Donc c'est cool. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne, les gars. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, n'oubliez pas de nous rejoindre également sur le Discord et faire du jeu qui est juste ici. Attendez, je vous montre. Il est là, il est présent, il est dans la barre de description. Tout est dans la barre de description, les gars. C'est vraiment le bon moment, réellement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je vais faire une autre vidéo sur One Piece Bounty Rush dans la même journée. Donc les gars, c'est le moment parce que on a énormément de nouvelles. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne matinée parce que chez moi, il est 7 h du matin. J'ai pas dormi avec la Dream Festa. J'étais trop impatient de voir ce qu'on allait avoir. C'est incroyable. Sur ce, les gars, on se retrouve dès lundi pour de nouveaux lives. Sur ce, ciao et à la prochaine.